Bon. Après la perte de temps de l'affrontement de la fin de la précédente vidéo, à me dire, où j'avais pas compris comment. Comment le prendre, fils de pute. Attends, je sais. Viens toi, viens plutôt, viens près du feu, viens près du feu, viens te réchauffer, mon pote. Je vais tomber. Attends, s'il arrive pas à monter, ce mongol. Je veux te défoncer ta gueule et ta mère, ton père, toute ta famille. En fait, faut faire ça, il faut le taper, voilà, là. C'est la première chose. Ensuite, faut le choper. Voilà, là, vous êtes trop tard, j'ai trop de temps. Et en fait, c'est tout bon. Voilà, là, faut que... Ah, peut-être, mais j'arrive pas à le choper, en fait. Ah bah j'arrive pas à le choper, pourtant j'ai appuyé bien sûr à hein, mais... Ils veulent pas. Mais en même temps, ils veulent pas, c'est trop marrant. Ils veulent pas, putain. Pas que je le chope, c'est. Je sais pas, c'est comme ça que ça se fait, hein. Ça y est, joué. Hop. Voilà. Comment faut faire? Ouais, bah, ça c'était sûr qu'il fallait pas le faire une fois comme ça. Alors. J'ai une fée. Que j'ai pas prendre. Pourquoi je peux pas prendre ma fée ici? À moi qu'elle me ressuscite, ouais, je pense qu'elle va me ressusciter. Putain, il se tourne. Ouais, ouais, je fais tout. Viens là, toi, viens là, c'est mieux ici. Voilà, merci. Voilà, et... Je crois qu'il est... Voilà. Probablement, c'est tout con. J'ai mec. Portable. Un beurre, c'est très fort pour un humain. Ouais. C'est un IA, connard. Pas pareil. Peut-être que tu veux aller voir notre chef. Ouais, j'aimerais bien. D'accord. Va et prends l'arme du héros des temps anciens. En échange, je te demande de bien vouloir sauver notre chef. Il va me donner l'épée. Je verrai ce que je peux faire, monsieur le... Je peux enlever. Moi ce que j'aimerais bien c'est faire c'est enlever ses bottes. Ok. Ils se sont mis là maintenant. C'est pas de l'autre côté plutôt? Si hein, à mon avis hein. Je sais pas, attends Je sais même plus venu par où moi. Ouais, c'est par là. Parce que je vois le point rouge là qui est de l'autre côté. Enfin, ouais c'est par là. Je me demande si j'étais là, là-bas. Ouais bah oui. Oh, je vais très mal. Bon ouais. Ah j'ai plus ma bouteille. Ok j'ai. Ah mais oh putain. Ok. Je suis un loser. En fait, j'ai pris ça comme bouteille. Croyant qu'il y avait une fée dedans, mais en fait, pas du tout. C'est pas une bouteille, c'est la lanterne. Oh là là. Ah, il y a des jours comme ça. Ouais. C'est
chiant. Ah, c'est déjà dedans ça? Ouais, 24 heures. Non, pas ça. Il me faut des cœurs! Des cœurs! Non, j'ai des cœurs, connard. Combien il y a des cœurs là? Waouh! Enfin! L'arc! Appelez-moi Robin des Bois. Trop cool. Je suis trop content. Bon, on va la signer. Je vais utiliser avec ça parce que j'aime bien ça. Ya! Yeah, j'ai un arc maintenant. Avec combien de flèches? 30 flèches là pour l'instant. Ah ouais. Comment on roule au top? Ouais, mais attends, j'ai une question. Que si je sors et que je re-rentre, ça va faire respawn les trucs où il y a des cœurs dedans. J'espère que oui, ce serait vachement cool. Parce que là, il y en a déjà. Non, il n'y en a pas. Il y en a de l'autre côté, je crois. C'est là qui me dit ah, c'est de l'autre côté, ça se passe. Oh, je sais, je sais. Ben voilà, ben voilà, on n'est pas bien là. Et Dieu, bah. T'as pas trop chaud ici, toi? Bon, on est bon là. On a récupéré l'arc. Ah, moi, ah, bah, non, j'allais dire, ah, moi, c'est l'arc, l'épée de légende. Ah, bah, ouais, bah, c'est l'arc alors. L'arc et. Bah, l'épée de légende, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. L'arc, est-ce que c'est une arme de légende, l'arc? Waouh. Ma surprise. Ça, à mon avis, ça l'a du surprise aussi. Ok, mais ça va me faire bobo. Ah, mais j'ai le l'arc, j'ai l'arc maintenant. Pour l'instant, mais bon. Voilà, oh, il me voit. Ah, il me voit. Ça va, ça va pas non plus. Bah je t'ai dit qu'il y a un. Ça va exploser, regardez, ça va exploser, ça va exploser, je suis sûr que ça va exploser. Ça va pas exploser, ça va. T'es toujours. Vous ne pourrez pas me vaincre. Parce que j'ai un arc maintenant. Et moi à l'arc je suis une pompe. Je vis trop bien à l'arc, je vous jure, ça a toujours été l'un de mes points forts. Voilà, point fort, il est un peu point faible. Hiya! Facile! Ouais, du jaune. Bon, ça vaut que 10, mais bon. Ouais, on prend quand même. Là. Là, il y a une porte. Comment ça se fait qu'il y a une porte du sud, nom de Dieu. J'ai toujours demandé si c'est eux qui les fabriquaient, les donjons. Les donjons. Les tonneaux ou s'ils les achetaient en fait. Parce qu'on est d'accord que c'est des tonneaux en bois. Et le bois, bah, ça prend feu. Ça prend même très bien feu. La boussole. En fait, comme si la boussole ne nous servait à grand chose, en fait, elle nous sert à rien. J'en ai fait plein des donjons, mais sans boussole. Ouh, des flèches. Alors là, il y a la porte, ok, bon, on va aller vers la porte là pour voir. Il y a quoi derrière? Ah, mais il y a un sage à me dire. J'ai mieux fait y aller.
c'est un marbre. Ah, enfin, te voilà. Oui, je ne savais que tu viendrais. Tiens, ce dernier morceau, la clé, combine-les. Avec cette clé, tu ouvriras la porte qui retient notre chef enfermé. Il est enfermé par une créature effroyable, de sa force au sable de la limite. Pour la même mes épaules de la force. Après tout, c'était parvenu ici. Allez, et là, il part en méditation. J'ai toutes les clés à mire. Je me rappelle même pas d'avoir appris les 4, putain. Il a dit, tiens, le dernier morceau. Attends, mais je suis passé à côté de quelque chose, là, on est d'accord. Parce qu'il me semble qu'il y en manque un, non? Il me semble que j'en ai récupéré 3, hein. Et à mon avis, c'est ça. Ah ouais, je peux pas me servir d'épée, putain. Il faut vraiment que je me fasse à ce truc-là. Ça sent l'Afrique, ici. Bah, ils se sont inspirés hein, de la beauté de l'Afrique au niveau de la peinture et c'est tout. Je peux pas tout péter là, vas-y. Bon bref. Et il a dit que j'avais trouvé le dernier morceau. C'est un choix. Il semblait qu'il fallait en trouver... Ah ouais, mais tu me diras, je crois qu'il fallait en trouver 3 seulement. Et pourtant, j'avais l'impression que l'autre il me disait qu'il fallait en trouver 4. J'en ai pas trouvé exact, je sais pas, c'est... Bref. On va dire que si. Hors de mon chemin, vilaine créature de Satan de l'enfer. Tu veux lui lancer une flèche dans sa gueule, enfin, dans sa queue plutôt. Ah j'avais oublié que je pouvais faire ça. Il ouvre l'arc. Nice. Il y a un peu, je peux passer par là comme ça. Ça le fait ou ça le fait pas? Ah ça le fait pas. Hein. Tu me diras si c'est la même, regardez, c'est la même longueur. Hein. Attends, il est où le bordel? Est-ce que je peux l'avoir de là? Je crois pas. Hein. Pas l'impression. Non. Je sais pas si je peux sauter comme ça. Yeah. Comme ça on sait que non, on peut pas l'appeler. C'était juste pour savoir si je pouvais le faire. Ok, on peut pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est bien, mais moi il faut pas respawn les amis. J'ai pas envie de vous affronter, c'est perdre du temps. Toi aussi, merci, au revoir. Ah, surtout qu'il y a des cœurs ici à me dire, bon, on voit pas l'intérêt. Je prends ce cœur aussi. Merde, je les ai plus. Je ne les ai plus, il faut que je les reprenne à la place de bah, ça là. Y. Ouais, mais Y c'est ça chez moi. Non, je suis trompé. Alors, non, l'arc c'est ça, et je crois que ça va être ça. Okay. Je vais comme ça.
Que se passe-t-il? Ah, ils ont quand même mis un dragon ici. On les fout. Mais si... Ouais. Ok, ouais, mais non, je crois que... Oh, non, là, t'es en... Des bottes à la con, là. Parce qu'il faut que je nique avant, lui. Parce qu'il va me poser problème, lui. Merde. Sinon, il faut que je reconstruise. Ouais, n'est pas capable même. Ça c'est bloqué. La flèche. Ah d'accord, ok. À l'abordage. On a tes bottes doit être de mort. Bon. Moi qui sais, j'ai pas été sujeté. J'étais ici, hein, je m'en rappelle plus. Ah bah oui, j'étais, putain. Merde. C'est au tout début. Ouais. Ouais. Bon. Mais ouais, mais attends, apparemment que là j'aurais peut-être gardé par gauche, je sais pas. Je sais pas là. Ouais, c'est peut-être par là, je sais pas. Mais là ça m'amène ça m'amène ici, mais. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça y est. Je comprends, je suis con. Tout à l'heure, je me suis dit, ouais, faut que je passe à droite, blablabla. Je me saute, non, je peux pas. C'est pas où il se met là, lui. Merde, j'ai pas vu. Voilà. C'est tombé la petite chauve-souris. Tout à l'heure à pas. Non, je pouvais pas. Ah, c'est là-bas que ça se passe. Ouais, je peux aller là. Hein. Je me chie. Hein.
partir à gauche, quoi. Ah oui, bah c'est là. C'est là qui est là-bas. Voilà. Oh. Non, j'ai déjà été là-bas. Ouais. Non, mais là, je suis perdu. Faut que je regarde mon plan parce que là, putain, s'il vous plaît. Bon! Putain, mais elle est où cette putain de porte? Il y avait une porte de merde là. Elle est où cette putain de porte, putain? Non, ça passe pas. Pas taper sur le clavier. Il a déjà pris assez plein la gueule lui. Hein, que ça ressemble plus à un clavier. Si, je peux aller là. Attendez. Comme on s'en fout. On va aller plus loin après ici. Non. Oh quoi, ouais, d'accord. C'est plutôt ça. Donc ça apporte là, c'est juste là, ça me fait rien. Décroche ça, voilà, vache, bordel. Si, j'ai déjà été. Oh là là, je tourne en rond, putain, j'adore l'XP de merde, fils de pute, ta mère de pute. Ah non, mais j'ai pas été ici, vu qu'eux, ils me disent rien du tout, les petits poissons là. D'accord, j'ai jamais été ici, voilà. Parce que tout à l'heure, ils étaient pas là, eux. J'ai une flèche, mais évidemment, bah, je sais pas si je peux. Ah, si, c'est bon. Ah, si. Ah, faut aller par là. Hein. Pas du tout. Je sais pas, ça me dit rien du tout. Quoi. En fait, je suis déjà passé par là, putain. Donc, pourquoi je devrais repasser par là? Ah bah si, c'est par là. Parce que j'ai vu dans le plan, il y a un endroit où j'ai pas été. T'es trop sérieux en plus, putain. Ouais, je crois qu'il faut que je repasse par là, hein. Ouais, il faut que je repasse par là, putain. Aïe. D'accord. Oh là là, putain, je suis crevé. Ça vise bien, ouais, tiens. Il met du temps à réagir, à comprendre que là il faut monter, blablabla, c'est, je sais pas, c'est normalement, voilà quoi, c'est, y a pas à réfléchir, c'est instinctif, quoi. Là. Il vise trop bien, même quand t'es en mouvement, il vise trop bien, c'est, waouh. C'est pas là, mais c'est pas là, putain, chier. Tu vas bouger, mais c'est bon.
Ouais, c'est bien par là. Vous avez pas vu ça ouf. Vous avez ce que j'ai fait? Non. Il tire dans sa flèche et ça a été sur lui. C'était trop bas des bois là. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait des balles de... d'explosifs juste à côté de moi, putain. J'en ai encore un. Ouais, c'est pas accessible. Good, les flèches. Putain, vous avez vu ce qui s'est passé, putain? Dans la cinématique, j'étais juste au-dessus, putain. J'aurais pu me décrocher et puis tomber sur le pont, mais putain, il y avait la cinématique qui s'est mise. Putain, sa mère. Perdu du temps, ça. S'amuser ceux qui ont fait un speedrun sur ce jeu. Avec les cinématiques de merde. Guerre. Pourquoi ils m'en veulent? Ouais.
assez long, ce truc. Alors lui c'est visé par exemple, voilà. Lui, voilà, lui il est voilà, visé 100%. Alors que les autres ennemis c'est visé 0%. Ils se sont dit tiens, on va mettre un ennemi quand même qui s'est visé. Et là putain, elle s'envoie. Ah bon, hop. C'est fait, tiens, prends tes flèches, connard. Hop. Allez! Voilà, putain. Oh, je vais te foutre, je vais te foutre. Merci. Ça m'a pas donné, ça m'a même pas donné un cœur, les bâtards. Bon, t'es fils de pute. Ok, il y en a un, il n'a pas compris, il a pas compris. Voilà. Oh nickel, on est full. Amiam full. Oui, continue la partie. Mais ça va, je suis rassuré. Quiconque, c'est quiconque. Magnodite créature, bah c'est très dur quoi. Aaaaaaah ce truc. Fais quoi? Mais non, ça, c'est bon. Il faut viser le truc là. Après il a mal à la tête. C'est ce joyau qui le possède. Nous devons le détruire pour le libérer. Genre, je l'ai vu. Oh la visée, sa mère. Ouais.
Je sais pas, c'est un peu trop simple, je trouve. Hein. Je me demande si c'est vraiment ça en fait. Là, je sais pas. C'est... Ah, faut attraper les chaînes, non? Parce que s'il y a des chaînes, c'est pas pour rien. Ah, bah oui, je me disais. Faut que je fasse quoi? Viens ici, mon petit chien, je vais te promener. Ouais, j'ai. Faut mettre les bottes à refaire avec. Là, faut que je mette. Prends-le. Prends-le, c'est bon. Prends. Ça, hop. Ok, on le fait chuter, après il faut... Non, allez. Non, mais il est con. Ça va, c'est facile en fait. Pas compliqué. Comme ça je suis sûr de pas louper sa gueule. Ah, bien. Saisir. Allez. Oh c'est bien. Bref, on a fait. Bravo, on a... On va y arriver, c'est juste que voilà, comment c'est pareil. Ah mais ça on le savait ça. Regardez pas. Ya. Oh je lui ai donné le coup fatal au bon moment là. J'aime bien les donjons comme ça, au moins ils sont faciles. Ils sont pas compliqués. Hein. Ah bah tiens, là voilà. Bien joué. C'est la nouvelle maintenant de cristaux d'ombre. Très bien. Pour te récompenser, je vais te conter une histoire. Génial. Santo. C'est le nom du type qui a changé la face de ce monde. Il se fait appeler le roi des ombres. Sa puissance est colossale, à tel point que pour l'instant, tu es loin d'être de taille face à lui. Mais je refuse de connaître Santo comme notre roi. Ce pouvoir ne lui donne pas ce droit. Tout comme cette princesse qui n'a vécu que... Quoi? Quoi si veuté? Alors ce mot-là, je ne le connaissais pas. Qui n'a vécu... Quoi si veuté et insouciance, je connais ce mot, mais quoi si veuté? Le Might Pot est hérissé le royaume de la lumière. Quoi si, qu'est-ce que ça veut dire, quoi si veuté? Parce que putain, waouh! Première fois que j'entends ce mot. Quoi si veuté? Ouais, mais en même temps, si je m'accouche. Quoi si veut. Quoi si veut. Cohésive. Ok. Je vais essayer de trouver le. Quoi si veut. Le terme Wasivete étymologiquement issu du terme latin otium désigne
l'état de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. Ouais, en fait, c'est un flemmard, quoi. C'est le mec qui reste dans son canapé. Puis voilà, que je sais pas, il vit sur ses acquis, quoi. D'occupation permanente selon la définition qu'on avait. Ok, ok. Bah, je m'en doutais que ça voulait dire ça. Hein. Je voyais pas quel sens ça pouvait autre dire. C'était toutes les vertus de la petite. Hein. Ok, bon, voilà, comme ça. De toute façon, toi, tu vis trop dans l'oisiveté, toi. Et là, et vous dites ça à quelqu'un, je suis sûr qu'il vous répond à 100%. Quoi? Dans quoi? Parce que le mot là, putain, waouh. On vient d'apprendre un mot aujourd'hui. moi, je vis pas dans l'oisiveté. Mais je suppose que je ne peux lui en vouloir après tout ce qu'elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix avec. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Je veux juste obtenir les cristaux d'ombre. Le reste m'est égal. Bon, il n'en reste plus qu'un. Allez, du courage. Ça, vous obtenez un cœur de plus. Ah, ma tête. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que je faisais? Oh, j'ai l'impression de m'être pris toute la montagne sur le coin de la figure. Ça mal au crâne, ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus de rien. Je vais te tuer! Oh non, je peux lui lancer un truc dans la tête là. Une fois, je peux me servir une épée. T'as de la chance! On peut revenir en arrière? Non? Ok, d'accord. Oh, allez, on se casse! Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite? Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Ouais. J'en ai bu assez. J'en ai vu assez. Voulez-vous se garder? Bah ouais. Sage décision. Voyons Link. Traverse le grand pont au bout de la plaine, au nord, là se trouvent les terres que protège l'esprit de la lumière, l'anel. Tu découvriras en ces lieux l'objet de ta quête. Oh. Link. Iria. Non, attends, c'est qui dit Iria? C'est Link. Tu dois sauver... Ah non, en fait, c'est elle. En fait, Link, il parle jamais, en fait. Tu dois sauver Iria. Ils ont certainement dû l'emmener quelque part ailleurs. Link, c'est pensé à toi et Iria... Oh, quoi? Link, c'est pensé à toi. Ça veut rien dire. Link, c'est penser à toi et à Lyra qui m'a permis de tenir. Ah, d'accord, oui. Okay. On dirait qu'il est moussage. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Plus du tout. Ne partez pas aussi parce que ça fout la frange. Écoutons, Link. Écoutons. Tu te souviens de ce que j'ai dit quand nous étions encore à toi, Link? Je m'en rappelle plus. Ah. Quand je serai grand, je veux être comme toi, Link. C'est mal barré. Hein. Alors tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. Va secourir Iria. D'ailleurs, parce que j'en avais marre. Vous pouvez vous reposer sur moi. Je verrai sur les enfants.
Ça semble qu'ils sont en sécurité et vous pouvez ainsi consacrer toute votre force à secourir ceux qui ont besoin de vous. Vous me rappelez le héros des temps anciens dont parle tant de légendes d'Hyrule. Quand les déesses créatrices d'Hyrule, vieilles de... Cool, je suis béni, quoi. Vas-y, baisse la tête, toi, à gauche. Je te tasse. Oh, putain. Et le tout, c'est derrière, il baisse même pas la tête, ça. Je te jure, ce minimum, j'ai envie de putain de lui mettre une bombe dans son cul. BAM! Je suis sûr que si tu mets une mèche entre ses fesses et que de lui, il explose le truc. Il a un corps de bombe. Bon, ben voilà, gars. On a sauvé le village, quoi. Et ça, c'est bien. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai une question. Normalement, oui, dans le jeu, il y a la notion de nuit et jour. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, maintenant qu'on a l'arc, on va pouvoir activer des trucs et tout. Ouais. J'aimerais bien tirer sur. Tiens, on va essayer de... Ah bah non, je peux pas utiliser l'arc. Je peux rien utiliser ici. Ah. Putain, je vais appeler mon cheval. Impossible de passer. Salut vos potes. On va manger des compotes. Oh là là, je veux pas là-bas, j'ai rien à faire là-dedans, moi. Ah, salut les gorons, alors, ça fait, vous êtes sortis de votre trou. D'accord, y'a plus de danger, vous sortez là, hein? Putain, ça sert à quoi de faire du multibuilding si chaque fois qu'il se passe un truc, vous vous cachez, putain? J'ai rapporté de matière première, okay. Il me semble qu'il va déjà. Ah ouais? Oh, d'accord, alors montrons. Hein? Aïe. Bizarre la caméra. Salut gamin, j'ai enfin pu réunir le matos et rouvrir mon magasin. Enfin rouvrir, c'est vite dit, hein. L'état de mes stocks, je n'ai qu'un seul type de bombe en rayon. Ouais, j'aurais fait un petit regard, ce que tu veux. Oh, mais tu possèdes pas de sac de bombe. Loser, ben. Allez, je te fais une offre spéciale. Un sac rempli pour 120 rubis. Ça te tente? Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais. Bon, ben, me sois bien. Avec mes bobinettes. Tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah ouais, les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives. Si tu as peur pour tes doigts, c'est les pieds. Je t'enverrai une bafouille pour t'expliquer tout ça en détail. Comme ça, tu pourras lire à ton aise. Ouais, j'ai un sac de bombes. Bon, bah, c'est tout cool. Je suis ouvert 24 heures sur 24. Ça c'est bien ça, tu vois, ça c'est bien. Bon, on va voir le chef Goron là, il va peut-être nous donner un truc. Un cadeau. Ça après il nous aura donné un sac, mais bon, de bombes et finalement. Il y a de grandes chances, hein, il y a de grandes chances. Et... Dada. Saute. Mais non, saute. Descends. Parlez. Ouais.
Ouais, vas-y. Couteau, il... Oh. Pam, pam, pam. C'est vrai qu'il y a le gros caillou là. Peut-être que je peux le faire exploser avec une bombe. Hein. Alors, les bombes. Quoi ? Oui, je sais. Aïe. Ok, super. C'est des bombes qui explosent instantanément. Ok, ok, ça roule. Ah oui, c'est vrai que c'est quand j'étais loup que je pouvais monter comme ça. Mais là, il faut mettre une bombe. Ah non. Ouais. Nickel, à nous la fin. Oh, hein, mais je croyais que... Peut-être avec les bottes. Je peux la pousser, non? Ah, il va pas me donner les... Non mais regardez. Ouais, peut-être qu'il va me donner le... Merde. Il va peut-être... Le chef, il va peut-être me donner les gants pour déplacer ce genre de pierre. Je pense, hein. On verra, on verra. Faut quand même que je te parle, papy. Ouais. Pour moi, c'est bien. Moi, tu discutes pas sans cet endroit. Nickel. C'est dommage. Pourri. Kawabanga. Je m'entraîne à retourner ma respiration sous l'eau. Alors ne m'énerve pas. Le plus bizarre, c'est que j'ai beau rester des heures sous l'eau, je n'ai jamais besoin de respirer. C'est bizarre. T'es un poisson, mec. C'est tout. Je remonte quoi. Ah bah,
Ah bah oui. Il y a tous les sages là, regardez. Ouais, c'est l'art quoi. Bon ben oh on dirait qu'il y a une entrée là. Oh ma foutu me rajouter. Oh il y a un truc ici. Tiens tiens tiens. Je vais les enlever et me casser les couilles. Tout le monde descend. Saisir. Ah ok. Ah non mais c'est pas là, il faut que je saisisse. Ok. Mais là-bas il y a quoi? Il y a aussi un truc. Ah ça va, de toute façon je peux remonter comme ça. Oui. Mais donc l'autre en fait, l'autre passage ça doit mener au bain quoi à mon avis. Donc j'ai besoin de rien en fait pour... Ah ouais c'est ça que j'avais vu en plus. Ok, bon ben voilà quoi, c'est un raccourci quoi. Pas de mystère. Bon ben voilà hein. Pour les gorons c'est fait hein. On a plus rien à faire hein.
On a fait le taf. On va continuer notre bout de chemin. Avec Epona. Les teasers. Ouais, moi c'est ici que je vais vous laisser. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de mes aventures. Ah bah tiens, regardez, il y a un marchand maintenant. Et là, on est la nuit. On est la nuit. Ah bah tiens, on va voir si la nuit, vraiment. Tous les chats sont venus. Parce que. Les enfants sont partis? Bon, ne vous inquiétez pas, je vais sur les enfants. À mon avis, les enfants ils sont. Tu les as foutus dans le trou? Non, ils sont à l'hôtel. On va voir s'ils sont à l'hôtel. Puis on se quittera en bon uniforme. Tchac! Comme d'aller à pied. Des corbeaux. Ça dégage. Genre c'est fermé. What? Non c'est fermé la nuit, je suis dégoûté. Ouais, ouais mais en même temps c'est logique parce que vous savez pourquoi je vais vous le dire. C'est que en même temps les enfants. C'est les enfants. C'est que vous avez vu, il y avait un lit, puis c'était le bordel dans l'hôtel, donc ça serait surprenant que, ouais, quoi. Qu'ils tombent tous ici. Oh, regardez. Un insecte. Une fourmi. Ouais, vous avez déjà attrapé une fourmi similaire, vous n'avez plus besoin. Voulez-vous la lâcher? Oui. Je voulais faire une roulade. On peut pas? On peut pas. Attends, mais j'ai été rentré par un autre endroit, moi, dans l'hôtel, il me semble, non? Ah, mais j'étais rentré avec le loup. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, quoi. J'étais rentré avec le loup. J'avais même creusé, je crois, pour. Oh, ils sont bigleux. Oh, je peux passer par là! Ah non, c'est dommage. Merde, merde. Oh. Ah, il y a une porte? Non, il n'y a pas de porte ici. Ah, j'étais passé par là, je crois. Dommage avec le loup. Ça fait du bien. Bah, moi je vais vous quitter ici. Je prends mon bain, puis yep, je vous donne à suivre. Ouais, je vous donne à suivre. Bye.
sur les toits.